Je m'appelle Sitiakara Kutuarsu. Je suis un des associés donc, du cabinet JWF Legal. J'ai intégré le cabinet il y a environ 10 ans, mais auparavant aussi j'ai travaillé dans un autre cabinet juridique pendant 2 années. J'ai connu l'existence de la facilité à travers plusieurs projets donc, dans le domaine de l'électricité. Notre cabinet a été sollicité par un cabinet étranger pour collaborer avec eux donc, et pour travailler sur l'aspect légal de ces projets. Pour le moment, je ne peux pas trop encore m'étaler sur les projets vu qu'ils sont en cours et pour des raisons évidentes de confidentialité. Mais ce que je peux vous dire, donc, que ce sont des projets dans le domaine de l'électricité et qui utilisent donc de l'énergie renouvelable. Et le but de ces projets, c'est effectivement de donner l'accès à l'électricité donc, à la population malgache et en définitive aussi de réduire le recours aux énergies fossiles et ainsi contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. La collaboration avec l'ALSF, je pourrais résumer qu'elle a été très enrichissante à bien des égards parce que c'était une expérience très fructueuse. Ça m'a permis donc d'étendre mes champs de compétences et également donc de m'intéresser à diverses branches du droit. Tant sur le plan professionnel que personnel, je dirais que ça a été très enrichissant pour moi. Étant donné que les projets sont encore en cours, il serait difficile d'évaluer leur impact sur la pays et la population, mais nous espérons tous donc que ces pays, que ces projets-là vont contribuer à augmenter l'accès à l'électricité pour la population malgache et qu'à long terme, donc, la population puisse vraiment jouir des retombées de ces projets. Personnellement, je pars toujours du principe que toute collaboration ne peut être que bénéfique pour Madagascar. Et pour mon expérience de travail avec l'ALSF, je dirais qu'elle a été très satisfaisante jusqu'à présent. Et j'espère également que notre cabinet pourra toujours continuer à collaborer avec l'ALSF dans le futur.